l'essentiel, c'est ce que les Strasbourgeois espèrent de José Luis Chilavert. De retour en grâce au Racing, un Chilavert surmotivé par l'accueil glacial des supporters stéphanois. Il faudra un grand Chila pour mettre en échec des Verts qui ont remporté 6 de leurs 7 dernières rencontres de championnat. Geoffroy Guichard, des Stéphanois dangereux dès les premières minutes de la partie. Carteron qui va prendre sa chance. Le ballon file devant Chilavert. Un ballon dans les pieds de Christophe Sanchez qui frappe et qui termine sa course dans le petit filet de José Luis Chilavert. Une occasion qui permet en tout cas de bousculer Strasbourg qui a la pression. C'est en tout cas ce qu'estimait Rudy Garcia, l'entraîneur stéphanois. Cela n'empêche pas les joueurs d'Yvon Pouliquen de prendre leur chance. Camadini est passé pour Martins qui remet Camadini pour la reprise de Pascal Camadini et la première intervention de Jérémy Janot dans cette partie qui est partie à 100 à l'heure. On retrouve les Stéphanois maintenant sur corner. Beaucoup de coups de pied arrêtés dans ces premières minutes. La tête de Lionel Potillon et l'ouverture du score après 7 minutes de jeu pour Lionel Potillon et les Stéphanois. Quatrième but de Lionel Potillon cette saison et surtout quatrième but de la tête. Il lui permet d'égaler en tout cas son meilleur total sur une seule saison. 4 réalisations, c'était le même score l'année passée. Lou Indola à présent qui se présente seul face à Jérémy Janot. Il est accroché au moment d'armer son tir et le ballon finit sa course en sortie de but. C'était encore une belle occasion pour les Strasbourgeois. On retrouve Eret qui sert Lou Indola. Lou Indola qui donne le tournis à la défense stéphanoise avant de centrer devant le but. Récupération, Martins va centrer à son tour pour la tête de Gareth Bale et l'égalisation des Strasbourgeois. On joue la demi-heure de jeu dans cette partie. Gary Bamzin qui avait aussi la possibilité de laisser à Bipay. Égalisation des Stéphanois donc à la demi-heure de jeu. Et ce match, vous le voyez, qui est complètement fou. Beaucoup de phases de jeu statiques au départ, en tout cas avec une frappe de Carteron et Papessar qui détourne ce ballon de la tête dans le but de José Luis Chilavert qui est resté complètement inerte sur sa ligne de but. Il ne pouvait pas faire grand-chose. José Luis Chilavert, la frappe très fort de Carteron devant le but. Et 2 buts à 1 pour Saint-Etienne à 1 minute de la fin du temps réglementaire dans cette première période. Saint-Etienne qui veut mettre Strasbourg KO en cette fin de première période. La frappe de Carteron encore une fois. Chilavert qui détourne d'une superbe manchette. Un arrêt décisif et un coup d'éclat de José Luis Chilavert qui permet à Strasbourg d'entretenir l'espoir. Malgré ce visage fermé quand même des supporters strasbourgeois à la mi-temps. Strasbourg est mené 2 buts à 1. Les Stéphanois qui sont les premiers attaqués en seconde période avec cette tête de Dirocco qui oblige Roger Luis Chilavert à se détendre. Chilavert qui est déterminant sous les yeux d'un Gérard Soler isolé dans les tribunes du stade Geoffroy Guichard mais qui assiste à cette rencontre que domine toujours Saint-Etienne. Strasbourg n'a pas baissé les bras mais doit faire face à de grosses occasions de Saint-Etienne comme cette reprise de la tête de Gaël sur un centre de Pedron, un ballon qui passe à quelques centimètres seulement de la lucarne de José Luis Chilavert. Une occasion manquée encore une fois pour les joueurs de Saint-Etienne. On retrouve Strasbourg avec Amzi qui frappe et un ballon qui termine sa course au fond des filets de Jérémy Janot. Évidemment le banc strasbourgeois exulte, doublé de Gary Bamzin dans cette partie. Ce sont ses deux premiers buts en première division. Il permet à Strasbourg, Gary Bamzin, de revenir dans cette partie. 2 buts partout. Encore une reprise de la tête devant le but de Chilavert et encore un ballon qui passe à côté du cadre du gardien paraguayen. Lou Indula qui va servir sur le côté gauche. Eret, vous voyez ce match est complètement fou. Une reprise écrasée de Camadini, la tête de Nuboya et le ballon qui s'écrase sur la barre transversale de Jérémy Janot. Beaucoup, beaucoup d'occasions dans cette rencontre. Strasbourg qui est là très proche de reprendre l'avantage mais qui a vu son ballon s'écraser sur la barre. On retrouve Lou Indula qui va se présenter seul devant Janot et donner enfin l'avantage à Strasbourg dans cette rencontre. Cette fois, on joue la 72e minute, la 80e minute de la partie. Et Lou Indula, 10 minutes de la fin de la rencontre, donc qui inscrit son 6e but de la saison et qui permet à Strasbourg de voir un très bon signe dans ce but, le signe d'une victoire qui permettra à Strasbourg de se relancer. Mais Saint-Etienne continue de pousser avec ce centre de Papessar et la reprise de Dirocco. On joue à la 89e minute de jeu. Premier but de Dirocco sous ses nouvelles couleurs et Saint-Etienne qui revient, Saint-Etienne qui est en train de rejouer le coup d'Ajaccio en Coupe de France il y a de cela quelques jours. Attention, on joue depuis 4 minutes dans les arrêts de Lou Indula qui a le but, le ballon de la victoire au bout du pied, il frappe et il voit son ballon détourné par Farmeux. Lou Indula qui avait la balle de match, le score reste là.